Bien, d'abord, je remercie Acrimed de l'invitation et j'espère ne pas trop décevoir en montrant que ce livre paru il y a 25 ans, si les éditions ont jugé bon de le faire reparaître dans une collection de poche, c'est qu'il garde une certaine actualité malgré le fait que certains des exemples qui sont donnés sont déjà un petit peu anciens. Alors tout d'abord, je vais essayer de dire en deux mots l'articulation générale du livre, et puis après je reviendrai sur certaines, enfin sur les points qui me paraissent les plus importants dans ce livre. L'articulation du livre, il y a quatre chapitres qui sont d'une part un premier chapitre qui essaye de revenir sur la notion d'opinion publique, c'est-à-dire une notion qui est tellement évidente qu'on ne l'interroge plus, alors que c'est un produit spécifique du champ politique qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a toute une histoire, dont le contenu a été très variable, j'essaierai de vous le montrer tout à l'heure, et donc qui constitue une sorte de prophylaxie importante pour ne pas gober les concepts et les notions qui font notre sens commun aujourd'hui. Un deuxième chapitre analyse l'arrivée des sondages dans la vie politique. Le troisième chapitre essaye de montrer les conséquences de la croyance dans les sondages, dans le fait qu'ils mesurent bien ce qu'ils mesurent, qu'on peut leur faire confiance, qu'on peut établir des courbes, des graphiques qui montrent des évolutions. Donc ce chapitre essaie de montrer quelles sont les conséquences qui dérivent de cette croyance dans la scientificité des sondages. Et puis enfin, un quatrième chapitre analyse une autre forme d'existence de l'opinion publique, si on peut dire, que sont les manifestations de rue. À la différence des sondages d'opinion, il s'agit là de groupes réels qui défilent physiquement dans la rue. Et ce sera intéressant de comparer un sondage avec une manifestation. Alors, ça, c'est l'articulation générale du livre. Alors maintenant, quels sont les points importants, quelles sont les idées qui ont guidé le travail que j'ai fait et qui aboutit à ce livre? Je ne voudrais pas paraître trop paradoxal, mais malgré le résumé sommaire que je viens d'indiquer, ce n'est pas un livre de critique des sondages. Je dirais à la limite, ce n'est pas un livre sur les sondages. Malgré le fait qu'il a été lu fortement comme ça, notamment par la presse, qui, pendant des années, me contactait pour faire la contrepartie des sondages qu'ils faisaient faire par leur propre journal, où il fallait celui qui dit il y a trop de sondages, les sondages ne sont pas scientifiques, c'est-à-dire dans la logique journalistique de il faut un pour et un contre. Alors là, cela dit, il y avait 50 pour et puis un contre. Mais donc, on me faisait venir pour faire, en gros, représenter la position de celui qui critique les sondages. En réalité, ce n'est pas un livre sur les sondages ou de critique des sondages. C'est un livre sur le champ politique et ses justifications idéologiques. Alors, c'est l'idée importante qui a guidé mon travail, c'est celle-ci. C'est en fait de comprendre que la notion d'opinion publique renvoie à une justification du fonctionnement du champ politique, qui est un champ très particulier, qui a besoin de faire croire qu'il agit pour le bien commun. Un homme politique ne peut pas dire il faut prendre telle loi parce que ça va me profiter. Il va dire il faut faire telle loi pour que ça profite à la France, pour faire avancer la nation. Alors ça a commencé, la notion d'opinion publique, elle remplit ce rôle, c'est l'instance au nom de laquelle on fait de la politique. Ça a commencé à la Révolution, quand la justification, j'allais dire, royale, a disparu avec le renversement de la royauté. Il y a eu un travail idéologique intense qui s'est fait à ce moment-là pour remplacer la figure du roi. Cette intensification s'est faite, on a créé la fête de la Fédération, la nation avec un N majuscule, l'opinion publique aussi, qui était très fortement citée. C'était l'instance au nom de laquelle on faisait la politique. On faisait de la politique. Donc,
Les sondages, il n'en est pas encore question, mais le problème était déjà là. Et on peut dire que de la révolution à la révolution de 1848, de la révolution de 1789 à la révolution de 1848, arrivée du suffrage universel masculin, ce qu'on entendait par opinion publique avait un sens très particulier, c'était l'opinion des élus qui débattaient dans l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que la notion d'opinion, c'est une opinion qui est celle des gens qui sont capables d'avoir une opinion. Alors, lié à ça, il y a par exemple le fait que le suffrage était censitaire, c'est-à-dire on n'accordait pas le droit de voter à tout le monde. Donc vous avez, durant cette période qui va de la Révolution française au suffrage universel, qui fait rentrer les classes populaires dans le jeu politique, en 1848, ce qu'on appelle opinion publique, c'est l'opinion des parlementaires qui se dégage des débats à l'Assemblée. Alors on retrouve là, tout ça c'est un travail idéologique majeur, on retrouve là la conception de Rousseau sur la volonté générale. La volonté générale, c'est l'ensemble des volontés particulières, mais pas de n'importe qui, des citoyens qui oublient leurs conditions et qui se disent, quand on va aller voter, il faut voter en pensant au bien de la nation à laquelle on appartient. Bon, c'est une vision assez idéologique et assez idéaliste. Mais ce qu'on appelle l'opinion publique, c'est l'opinion des parlementaires. Mais pas l'opinion directe des parlementaires, l'opinion des parlementaires après discussion au Parlement. 1848 va ouvrir une deuxième période qui est marquée par l'entrée des classes populaires et la naissance de la classe ouvrière, une classe ouvrière industrielle, dans le jeu politique. C'est l'entrée d'un nouvel acteur dans le jeu politique. Et ce nouvel acteur, il va avoir deux traductions au niveau de l'opinion publique. Ce qu'on va appeler opinion publique à ce moment-là, c'est l'opinion de ceux qui manifestent dans la rue, qui est une des formes d'action au début un peu sauvage, entre guillemets, c'est-à-dire non domestiquée, des classes populaires, sous forme de grève, sous forme d'action collective, qui sont des formes nouvelles d'action par rapport à la situation antérieure, où quand il y avait des phénomènes collectifs, c'était plutôt des émeutes sans début ni fin, qui se terminent dans le sang. Là, il va y avoir, durant cette période qui va s'ouvrir en 1848, jusqu'au début de la Troisième République, une période où la classe ouvrière va apprendre à manifester, à montrer qu'elle existe, qu'elle a une volonté, qu'elle sait l'exprimer. Ça se fera petit à petit par l'invention de tout un ensemble de choses qui se trouvent aujourd'hui dans une expression, impliquée dans une expression comme « on va faire une manif ». Quand on dit « on va faire une manif », ça veut dire « on va fixer un ordre du jour, on va fixer les banderoles, un lieu de rassemblement, un lieu de défilé qu'on va négocier avec la préfecture de police, un lieu de dispersion, etc. » Il y a tout un ensemble de choses qui sont liées dans « on va faire une manif ». Quand on fait une émeute, ça démarre spontanément, ça prend des formes violentes et ça se termine dans le sang. Donc là, vous allez avoir, j'allais dire, une manifestation symbolique de force qui va se... il y a aussi, j'ai oublié, on crée un service d'ordre manifestant. Un service d'ordre avec des brassards pour bien distinguer ceux qui manifestent et ceux qui veulent empêcher la manifestation, etc. Ou même pour contenir les manifestants, pour qu'ils donnent une bonne image d'eux-mêmes, etc. Donc vous avez, à partir de 1848, vous allez avoir un autre contenu à la notion d'opinion publique qui va être dû à cette entrée des classes populaires dans le jeu politique. Il y a une deuxième entrée importante qui va se faire avec la presse. À partir de 1880 à peu près, une nouvelle industrie va naître, l'industrie de la presse, avec la rotative qui permet de tirer des millions d'exemplaires, etc. Savez-vous que sur Paris, tous les jours, au début du XXe siècle, en 1900, vous avez 5 millions d'exemplaires qui sont vendus chaque jour dans la région parisienne, entre les quatre journaux les plus importants, des grands journaux populaires, Le Petit Parisien, Le Matin, etc. Il y en a quatre comme ça. Donc c'est l'arrivée nouvelle d'une expression populaire
qui va transparaître avec les journaux. Le journaliste, le commentateur qui écrit et qui est acheté par des millions de lecteurs, il ne peut pas ne pas se sentir comme exprimant ses lecteurs. Et on est dans une situation où les lecteurs sont des électeurs. Et donc, la notion d'opinion publique, dans cette deuxième phase, est une notion qui va être un mélange plus ou moins organisé entre, d'une part, l'existence de manifestations de rue qui se feront plus ou moins dans le calme et qui expriment le peuple aura comme parcours notamment souvent de passer devant l'Assemblée nationale pour dire, par défi, en disant vous ne nous représentez pas. Le peuple, il est dans la rue, il est là. Alors, c'est des choses qui nous sont aujourd'hui relativement familières, puisque les manifestations ne cesseront de croître en ampleur, où il s'agit de faire du nombre. Et je ne reviens pas sur les manifestations récentes de janvier qui produisent des effets tout à fait spécifiques à cet égard. Et donc, on peut dire que la notion d'opinion publique, c'est une notion, disons, qui peut être invoquée de manière un peu, entre guillemets, pifométrique. Il y a eu beaucoup de monde dans la rue. On dit, est-ce que c'est ce que pensent les gens? Il y a aussi le vote des classes populaires qui semble indiquer aussi des tendances, etc. Mais un homme politique peut toujours dire, j'ai l'opinion publique avec moi, sans être démenti de manière formelle. C'est une notion, à géométrie variable, que chacun parmi notamment les responsables politiques, qui sont censés avoir une justification, et l'opinion publique, c'est une des justifications de leur activité. Ils peuvent toujours essayer de faire croire qu'ils ont l'opinion publique avec eux. C'est presque autrefois, on disait Dieu est avec nous. Aujourd'hui, dans les régimes démocratiques, on dit l'opinion publique est avec nous. Et donc, cette situation, l'art de manifester va se perfectionner tout au long de la première moitié du XXe siècle. Notamment, l'entre-deux-guerres sera marqué par un nombre croissant de manifestations qui ont été étudiées par pas mal de chercheurs et qui ont montré le nombre, parfois la violence, notamment en 1934, etc. Mais on voit qu'il y a une volonté de dire le peuple, c'est nous qui sommes dans la rue, et vous ne nous représentez pas. Ensuite, il va y avoir, et c'est là on va voir l'arrivée des sondages. Ensuite vont arriver les sondages. Et les sondages vont changer le paysage précédent. L'arrivée des sondages, et c'est, j'allais dire, leur force, c'est une justification idéologique et une technique à prétention scientifique. C'est-à-dire que c'est une pratique qui a deux légitimités. Une légitimité politique, et une légitimité scientifique. Alors, pour ce qui est de la légitimité scientifique, dès 1970, alors l'entrée des sondages, elle est arrivée quand? Elle est arrivée, alors l'histoire est connue aujourd'hui relativement, je ne fais que la rappeler très brièvement. Elle est arrivée, les sondages sont arrivés en France dès la fin des années 1930, par Jean Stelzel, qui avait été aux États-Unis, qui avait vu la technique, qui avait créé l'IFOP, qui l'avait ramené en France en créant l'IFOP. Mais c'est une technique qui n'a pas eu un grand succès médiatique et politique. Le succès arrive avec l'élection présidentielle de 1965. Alors l'histoire est célèbre et connue. Les commentateurs de l'époque pensaient que De Gaulle passerait au premier tour. C'était leur pif de commentateur. Il y a des sondages qui sont réalisés et qui disent non, il ne passera pas au premier tour, il n'atteint pas les 50% pour passer au premier tour. Et c'est les sondages qui vont s'avérer avoir raison. Et donc ça fait une publicité pour les sondeurs, ça fait une publicité pour les politologues qui se sont occupés de faire la sociologie électorale avec les sondages à Sciences Po dès le début des années 60. Ça leur fait une publicité importante. Et les journaux, entre autres, vont engager une politique de réalisation et de publication de sondages considérable. Alors,
Je ne vais pas trop détailler la critique des sondages, mais je voudrais simplement rappeler pour l'utilité de la compréhension générale du schéma, le point qui me paraît important. Dans ce qu'on appelle les sondages réalisés par les instituts de sondage d'opinion, en réalité, vous avez deux types de sondages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais dont l'un va servir de caution à l'autre. Premier type de sondage, c'est le sondage sur les intentions de vote, qui est un sondage très particulier, sur lequel je vais revenir. Et le deuxième sondage, c'est les sondages d'opinion, c'est-à-dire ces sondages qui commencent par vous personnellement, que pensez-vous d'eux? Diriez-vous que vous êtes plutôt d'accord, plutôt pas d'accord avec l'intervention française au Mali, avec la réforme de l'école, avec etc. Bon. Alors ça, ce sont des sondages dits d'opinion, qui en plus ne recueillent pas des opinions. Bon. C'est-à-dire qu'ils recueillent des réponses à des questions d'opinion. C'est-à-dire que ce sont des sondages où on ne demande pas aux gens leur opinion, on leur soumet une opinion en leur demandant d'approuver ou de désapprouver. Ce qui est très important à comprendre, parce que les réponses ne sont pas nécessairement des opinions. Les réponses, c'est comme dans un QCM, est-ce que Napoléon était un empereur, un chien de berger, ou etc. Bon, vous avez une chance sur trois, si vous avez trois options pour répondre, une chance sur trois de répondre à la bonne question, à la question, etc. Donc, on ne demande jamais aux gens, vous avez répondu, je préfère ceci, pourquoi? On ne leur demande jamais la question du pourquoi. Alors pourquoi? C'est parce qu'ils n'auraient, dans la plupart des cas, rien à dire. Tout simplement parce que, alors c'est là que la critique de Bourdieu est très importante, et la critique de Bourdieu va intervenir dès 1970, il fait une conférence au Vitriol sur le problème des sondages d'opinion. Alors là, il s'agit bien des opinions, pas des intentions de vote. Il s'agit bien des opinions. Il fait une critique en montrant que poser une question d'opinion à l'ensemble d'un échantillon représentatif de l'ensemble de la population française, c'est supposer trois choses qui ne sont pas réalisées dans la réalité. La première chose, c'est que tout le monde a une opinion personnelle, surtout des questions qui commencent par vous personnellement, que pensez-vous d'eux? Bon. Alors, on peut voir avec les non-réponses, etc., que c'est loin d'être le cas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on impose une problématique, c'est-à-dire en posant la question « Faut-il une constitution pour la Corse ?» On impose l'idée qu'il y a la Corse, qu'il y a une constitution possible, et qu'il est question de mettre une constitution à la Corse, alors que bien des gens à qui on pose la question découvriront, non pas qu'il y a la Corse, ils le savent, mais que certains envisagent une constitution pour la Corse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette constitution? Mais l'essentiel pour les sondeurs, c'est d'avoir une réponse, c'est pas d'être sûr que les gens ont bien compris la question. Et puis le troisième présupposé, c'est l'addition. C'est l'addition, et de dire l'opinion publique, c'est 50 plus 1. 50% plus 1, c'est ça l'opinion publique. Alors qu'on additionne des réponses qui sont formellement identiques, mais qui ne sont pas réellement identiques. Vous pouvez dire non parce que vous ne voulez pas dire oui, ou vous pouvez dire non parce que vous voulez dire non. Mais on va tout, compter tout ça comme des noms. Enfin, il y aurait bien des exemples que je donne dans le livre, puisque j'ai essayé de reprendre la critique. Alors, Bourdieu fait cette critique. Par contre, il ne fait pas une critique des sondages sur les intentions de vote. Là, le problème est un tout petit peu différent. Dans un sondage sur les intentions de vote, il y a effectivement un vote. C'est-à-dire que pour savoir l'opinion des gens sur la constitution de la Corse, éventuellement, il faut faire un sondage. Mais s'il n'y a pas de sondage, on ne sait pas. Ça n'existe pas. Dans le cas des intentions de vote, il va y avoir un vote. Et qu'il y ait des sondages avant ou après, il y a un vote. De toute façon, il existe. Et donc, c'est l'intérêt des instituts de sondage d'être au plus près de ce qui va être effectivement le résultat du vote, parce que ça leur fera une très bonne publicité sur la qualité de leur sondage. Mais encore une fois, ce qui est réalisé dans les sondages de vote, ça n'est pas la même chose que de poser une question d'opinion. Dans les sondages de vote, le problème est un tout petit peu différent. Il se pose comment ? Quand on réalise, à une semaine d'un vote, un sondage qui représente bien les électeurs qui vont voter, c'est déjà un problème un peu compliqué, mais enfin que les instituts de sondage essayent de résoudre techniquement. Vous demandez aux gens
non pas une opinion, mais une intention de comportement. Quel est le comportement que vous allez avoir la semaine prochaine au moment du vote? Et ça pourrait être vérifié, validé par le fait que le vote va avoir lieu. Et donc on pourra comparer les intentions avec le vote. La première fois où ça a été fait, on a vu qu'il y avait des décalages énormes qui ont été analysés. Je ne reviens pas sur le détail, mais on pourra y revenir dans la discussion si vous voulez, qui ont été analysés et qui sont aujourd'hui combattus, si je puis dire, grâce au fameux coefficient de redressement dont vous avez peut-être entendu parler, qui consiste à dire, bon, on sait qu'il y a tel type de déformation qui va se faire parce que les gens ne déclarent pas avec sincérité le vote qu'ils vont faire parce que c'est un vote d'extrême droite ou c'est un vote d'extrême gauche, etc. Donc on fait un correctif de manière à s'approcher sur ce que ça devrait être en réalité. Bon, et ils ont réussi à peu près à faire des sondages, à donner des résultats qui sont pas, à une semaine d'une élection, qui ne sont pas très loin de la réalité. Alors c'est très important parce que ça leur permet de dire, vous voyez, on fait de bons sondages. Bon, mais ils vont transférer ça sur les sondages d'opinion qui, eux, sont soumis à la critique que faisait Bourdieu. Bon, je reviendrai sur le problème des sondages. On l'a déjà évoqué ici dans plusieurs séances, mais enfin, si vous voulez, ça peut être intéressant d'y revenir. D'autant plus que la critique des sondages, c'est une chose, et réaliser soi-même la critique d'un sondage, c'en est une autre. Il y a une différence que les linguistes signifient par l'opposition entre compétence et performance. La compétence, c'est être capable de comprendre une langue, la performance, c'est être capable de la parler. Et il y a aussi un problème de compétence et de performance dans ces problèmes-là, parce que quand on fait la critique d'un sondage, ça paraît toujours évident une fois qu'on l'a faite, et quand on a donné les instruments pour le faire et qu'on demande aux gens « voilà un sondage, faites la critique », c'est généralement plus difficile à faire. Donc il y a un entraînement à avoir, si je puis dire, tout simplement parce qu'on est tellement habitué à un certain nombre de questions, de manières de poser les choses, que ça ne fait même plus problème, c'est dans ce qu'on appelle la doxa, c'est-à-dire ces choses qui ne se discutent même pas. Donc je reviens à ces sondages. Ce que j'ai essayé d'analyser, c'est l'arrivée des sondages et essayer de comprendre pourquoi, en dépit, j'allais dire, des critiques explosives de Bourdieu et qu'il avait faites en pensant sa conférence comme une intervention scientifique dans le débat politique, essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Pourquoi, d'une certaine manière, si on voulait revenir et réfléchir sur la stratégie de Bourdieu dès 1970 à propos des sondages, pour essayer de démolir cette pratique, pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est précisément parce qu'on s'est retrouvé avec, ce que je disais tout à l'heure, deux légitimités pour les sondages. Et je voudrais lire l'un des principaux adversaires de Bourdieu en ce domaine, qui était le responsable de Sciences Po, Alain Lancelot, qui, dès 1984, avait, je vous lis rapidement une partie d'une conférence qu'il a faite. Alors, il l'a faite plutôt à l'étranger qu'en France. Ça permet de dire beaucoup plus de choses. Il dit donc, dans le procès fait au sondage. Alors, c'est très important déjà de dire le procès, parce que ce que fait Bourdieu, ce n'est pas un procès, c'est une critique scientifique. Mais il appelle ça un procès. C'est-à-dire, on est dans une logique de la dénonciation calomnieuse. Donc, dans le procès fait au sondage au nom de la démocratie, je me situe résolument du côté de la défense. Cela tient sans doute pour beaucoup à ma conception de la démocratie qui est incurablement libérale. Alors, moi, je suis libéral. Quand j'étais étudiant à Sciences Po, au milieu des années 50, mes maîtres m'expliquaient qu'il y avait deux grandes conceptions de la démocratie, l'une fondée sur l'idée libérale, telle qu'elle s'exprime dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et l'autre sur la pensée sociale d'inspiration marxiste. Bourdieu a dit à plusieurs reprises « je ne suis pas marxiste ». Enfin bon, là, on m'a bien traité de léniniste. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Enfin, je le sais un peu, mais... Donc, marxiste, la première reposait sur le principe que les hommes naissent libres et égaux, la seconde, qu'ils doivent être libérés. Alors,
Il dit en gros, la critique des sondages, c'est une critique qui n'est pas acceptable parce qu'elle repose sur les mêmes principes que la critique du suffrage universel. Les mêmes arguments sont opposés de nos jours à la multiplication des sondages. Ils ont servi autrefois à la critique de l'extension du suffrage. Dans les deux cas, on se méfie des majorités silencieuses au nom des minorités qui savent seules ce que parler veut dire. Ce que parler veut dire, c'est le titre d'un ouvrage de Bourdieu, mais il vaut mieux, on dit ce que parler veut dire, comme ça, il y a ceux qui comprendront, et puis les autres, c'est pas grave. Notables désespérés d'être privés du monopole de l'influence ou militants qui s'instituent porte-parole mais n'entendent pas rendre compte, l'imposition de problématiques que l'on reproche au sondage vaut également pour les élections. Bon, mais là, ce qui est tout à fait intéressant dans ce texte, où il dit finalement on n'a pas le droit de critiquer les sondages, parce que les sondages, c'est la même chose que le suffrage universel. Là, il est en train de confondre une analyse scientifique sur comment se forment les opinions, quelles sont ses opinions, qui a une opinion, qui n'en a pas, etc. Il est en train de confondre avec qui a le droit d'avoir une opinion, et qui n'est empêché par personne, et qui relève là du politique, qui relève, c'est une conception politique. Donc il est en train de confondre une approche de type scientifique sur qu'est-ce que c'est que cette enquête, que signifie cette question. Il y a un exemple de question que j'aime bien citer parce qu'il montre jusqu'où ça peut aller. Il y avait une question que j'avais notée qui était la suivante. Vous savez, alors généralement quand ça commence par vous savez, c'est que les gens ne savent pas. Alors on leur dit vous savez, de manière à, c'est le premier coup de force symbolique qu'on leur fait. Vous savez, merde, je devrais le savoir. Bon. Alors on écoute la suite de la question. La question est celle-ci, hein. C'est pas moi qui l'augmente. Hein. Vous savez que Reagan et Gorbatchev ont conclu l'accord option 00. Bon. C'est-à-dire, heureusement qu'on va me faire un cours de stratégie militaire européenne derrière, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir des fusées à moyenne portée à tête nucléaire en Europe. La question, vous la trouverez dans Opinion publique, Sofres, 1985 ou 86. À votre avis, maintenant qu'on a fait ce cours de défense nationale, à votre avis, diriez-vous que c'est plutôt une bonne chose? Parce que, on va vous dire pourquoi quand même. On va vous expliquer. Parce que les forces démilitarisées, etc. Hein, ou que c'est plutôt une mauvaise chose parce que les forces soviétiques terrestres sont supérieures aux forces nucléaires. Alors, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est deux choses. La première chose, c'est que le nombre de répondants est énorme. Pourquoi ? Parce qu'ils ont juste à dire ça, oui, vous dites ça. Bon, c'est-à-dire, ils ont pas... Enfin, une opinion, c'est aussi quelque chose qui se travaille. Si je veux avoir une opinion sur ce qu'on essaye de faire aujourd'hui comme réforme du système d'enseignement, ben, faut que je m'informe sur le système d'enseignement, que je vois quels sont les avis de spécialistes, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc., pour que je me fasse une opinion. Une opinion, ça se fait, ça se fabrique. Ça se travaille par rapport à d'autres, avec d'autres personnes avec qui on discute. C'est pas simplement quelque chose sur lequel on va vous sauter dessus et vous dire qu'est-ce que vous pensez de la réforme de la Corse. J'y reviens encore une fois. Non pas que j'y tienne spécialement, mais c'est un bon exemple. Qu'est-ce que vous pensez de la défense nationale, etc. Ou de l'option 00, etc. Alors. La première chose, c'est qu'il y a des répondants. Pourquoi ? Parce que tout est fait pour faire croire qu'il y a une opinion. Tout est fait. Alors, tout est fait, c'est quoi ? C'est deux choses. C'est d'une part, faire des questions où il suffit de dire ça. C'est-à-dire, on peut répondre à une question d'opinion sans ouvrir la bouche, en désignant un carré, d'une part. Et d'autre part, en donnant des consignes aux enquêteurs pour forcer les gens à répondre. Il y a comme consignes qui sont données aux enquêteurs, qui étaient données aux enquêteurs, si les gens ne répondent pas, insistez, reposez la question en disant mais si vous aviez à répondre, vous diriez plutôt quoi, etc. C'est-à-dire, on oblige les gens à répondre. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'une opinion existe matériellement. Il faut la fabriquer. Et donc, si les gens ne veulent pas la fabriquer, ben, faut les aider à la fabriquer. La deuxième,
la deuxième, j'allais dire étonnement, c'est que cette question qui manifestement, quand on la relit, et on se dit que ce n'est pas possible d'avoir posé une question pareille, les gens qui ont posé cette question-là, ils n'ont jamais fait de questionnaire de leur vie, etc. Et bien pourtant, c'est une question qui a été... Chaque année, la SOFRES faisait, et fait, je crois encore aujourd'hui, faisait un best-of de ces sondages, qu'elle donnait à commenter à des hommes politiques, à des chargés d'études, etc. Et bien, dans son best-of, il y avait cette question. C'est-à-dire qu'elle a jugé suffisamment intelligente cette question pour la garder dans son best-of. Donc, alors je reviens maintenant à... Je reviens à mon propos. Donc, vous avez cette arrivée des sondages. Vous avez cette critique des sondages qui est faite au canon, si je puis dire, par Bourdieu, qui espère, en faisant cette critique, que cette pratique va... Notamment, une des choses... Que cette pratique va diminuer. Notamment, une des choses qui l'énervait beaucoup, c'est de voir les sommes considérables. Et là, ça fait... Il y a des affaires récentes. Donc c'était pas, ça ne date pas de 25 ans, il y a des affaires récentes qui vont dans le même sens, c'est de voir l'argent énorme qui sont mis dans la réalisation chaque jour de sondages, alors que le millième serait confié à des chercheurs sur un problème particulier, qu'ils traiteraient le problème, alors que les sondages produisent des résultats qui ne valent que le temps du sondage. Bon. Mais donc, des sommes considérables sont mises. Alors, pourquoi maintenant, malgré tout, ce succès? C'est parce que l'autre phase des sondages, c'est une phase technologique. C'est que le monde politique fonctionne au suffrage universel, et bien on va faire fonctionner les enquêtes sur le mode du suffrage universel, parce que c'est le mode qui permet le plus de se rapprocher de ce qui pourra être éventuellement une évolution de la population compte tenu d'un certain nombre de choses qui, enfin, sur lesquelles on va agir. Voilà. Les sondeurs ont une double face. Ils ont une première face qui est la face « nous, on recueille l'opinion ». Alors, j'ai dit, en fait, il y a une critique à faire, on ne recueille pas l'opinion, on fabrique l'opinion. Je signale au passage, ça me fera le passage avec la manifestation, il est tout à fait contradictoire, et ça n'est pas noté, que ce qu'on appelle opinion publique avec les sondages, c'est d'abord quelque chose qui n'est pas public. C'est quelque chose qui est recueilli en privé. Une enquête est recueillie d'un enquêteur avec un enquêté. Ce n'est pas une prise de position publique. Donc, c'est en fait, ce n'est pas une opinion publique, c'est une opinion privée déjà qu'on a. Bon, et d'autre part, ce n'est pas des gens qui expriment une opinion, qui se mobilisent pour dire quelque chose, ce sont des enquêteurs qu'on mobilise pour aller chercher des gens qui ne se mobilisent pas. Il y a ce double aspect. Il y a d'une part le fait que c'est des opinions recueillies en privé, c'est-à-dire que les gens... Là, on est dans la critique de Sartre, les petites trahisons dans l'isoloir. Hein. On est dans la même logique que le vote. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Personne ne vous écoute. Je note votre réponse, qui s'oppose évidemment aux prises de position dans une manifestation où on défile ensemble, où on manifeste ensemble qu'on est bien là, que c'est bien notre volonté d'être là, etc. Donc il y a d'une part cet aspect-là, et le deuxième aspect, c'est qu'on fabrique quelque chose en faisant croire que c'est une opinion publique qui existe, alors qu'on va la fabriquer auprès de gens à qui on demandait, qui ne demandaient rien, pour la plupart d'entre eux. Alors, donc, il y a tout ce passage sur les sondages d'opinion qui sont importants pour comprendre pourquoi ça a fonctionné, et pour comprendre l'évolution aujourd'hui qu'on a observée, avec l'arrivée des sondages dans le fonctionnement de la vie politique. Car, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'était plutôt ça mon objet. J'ai eu une grosse partie du livre qui a dû être consacrée aux sondages, parce que c'est un aspect très important des sondages, qui, est, encore une fois, ont une double face. D'une part, ils font semblant de recueillir l'opinion, d'un côté, qu'ils vendent aux journaux, qu'ils vendent aux hommes politiques,
Et d'un autre côté, ils réalisent des enquêtes de marketing politique pour voir qu'est-ce qu'il faudrait dire aux gens pour pouvoir les avoir au niveau électoral. Officiellement, on dit voilà l'opinion publique. Officieusement, on aide les gens, on aide les politiques à faire des campagnes de presse, à ce qu'il faut dire, à faire des programmes électoraux, à faire du marketing politique, à faire tout un ensemble de stratégies et de techniques de manipulation pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre de manière à se faire élire. Alors, avec les faits politiques suivants, ce qui est que ils sont arrivés à un degré où on arrive assez facilement à dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, on peut assez facilement le savoir. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est au pouvoir et qu'on a réussi à passer avec ces stratégies de marketing électoral, le problème, c'est est-ce qu'on peut le faire ? Vous avez une dénonciation permanente aujourd'hui des élites politiques qui consiste en gros à dire ils nous font de belles promesses, mais ensuite ils ne les tiennent pas. Bon. C'est un des effets du marketing politique, ça. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il est facile aux gens de dire ce qu'ils ont envie d'entendre. On peut faire des enquêtes là-dessus, mais ensuite, ça devient plus difficile de faire ce qu'on a dit qu'on ferait dans la mesure où ça relevait du marketing politique plus que de l'analyse de la situation sur ce qui était possible à faire. Voilà. Alors, une des conclusions, je crois, importantes pour ma part, que j'ai essayé de tirer de cette enquête, de cette étude, c'est le fait que le champ politique et les acteurs qui jouent dans ce champ politique sont devenus de plus en plus nombreux. Je voudrais vous donner un exemple rapidement. D'abord l'idée et ensuite l'exemple. L'idée est la suivante. C'est que là où vous aviez un homme politique, un commentateur politique pour faire la politique, aujourd'hui vous avez un homme politique, vous avez les commentateurs politiques, vous avez le marketing politique, vous avez les sondages politiques, vous avez les humoristes qui passent à la télévision, qui par leur sketch contribuent à donner une certaine idée de la politique. Vous avez aujourd'hui un nombre considérable de gens qui participent directement ou indirectement au jeu politique. Et on a aujourd'hui un univers où le pouvoir est très dispersé, où chacun joue son jeu et participe à la fabrication d'un jeu politique qui n'est contrôlé que très difficilement et par peu de personnes. Alors, je voudrais vous donner un exemple qui me paraît illustrer assez bien cette évolution. Il s'agit, il y a un reportage qui passe à la télévision dans le journal de 20h, qui passe sur France 2. C'est un reportage, alors qui va faire 2 minutes, dans lequel il est question d'une des grandes actions que Chirac voulait mener au cours de son quinquennat, ou septennat, je ne sais plus, qui était la lutte contre les accidents automobiles. Bon. Et donc, il y a un an, il a été élu. Au bout d'un an, on fait un premier bilan. Et donc, c'est le thème de cette séquence du journal télévisé. Et le journal télévisé montre, notamment, il y a un envoi au Luxembourg, un envoi de ballons, d'un millier de ballons qui symbolisent les gens qui sont blessés ou qui sont tués sur la route. Et puis, il y a des étudiants qui sont couchés par terre, allongés par terre. Il y a 500 étudiants dans les jardins du Luxembourg qui font une opération mort sur la route pour que ça marque les gens. Regardez un petit peu ce que ça fait comme mort sur les routes. Voilà, la séquence passe, très bien. Voilà, le journaliste était là, il a pris cette séquence. Une semaine après, il y a un os qui se révèle, qui est le suivant, c'est qu'il y a une association des intermittents du spectacle qui veut porter plainte contre leur employeur pour ne pas avoir respecté un contrat qui était qu'ils ont été payés 200 francs à l'époque. Ils ont été payés pour jouer les étudiants
qui sont allongés par terre dans l'herbe, etc. Et qu'on leur avait dit que c'était pour faire un clip musical. Et donc, ils sont d'autant moins contents qu'à cette occasion, il y a eu un discours d'un ministre de ceci, puis d'un ministre de cela. Et comme les intermittents du spectacle sont plutôt à gauche et que les ministres en question étaient plutôt à droite, ils avaient plutôt envie de les emmerder. Et donc, voilà, donc on apprend ça. Alors, il y a eu toute une petite enquête qui a été menée sur comment on en est arrivé là. Et alors, on apprend que cette simple séquence est une affaire très compliquée. Il y a d'une part, d'abord, il y a une association contre les victimes de la route qui a été... à qui on l'a demandé de faire une opération. Elle a dit, OK, on fait une opération. Elle a contacté un directeur d'une grande école de commerce pour fournir des étudiants. D'accord. Bon. Le Palais du Luxembourg, le Sénat, a payé pour la réalisation de cette opération. D'accord. Et puis, on a fait venir, on a demandé... au journal télévisé de France 2, de venir faire des images. D'accord. Alors, il y a tout ça, bon. Et alors, on a appris que le journaliste qui est venu faire des images, il a des rushs, des choses qu'il n'a pas passées. Et en fait, les séquences qu'il a gardées, c'était celles qui correspondaient à l'opération, mais... Quand il avait interrogé des étudiants, il y en avait un certain nombre qui l'avait interrogé, qui disait « Maintenant, moi, je suis là pour l'argent. Bon, ça, je ne peux pas passer ça. » Donc, il n'a pas mis ça, il a mis ça dans ses rushs. Bon. Et donc, la chose a été révélée. Et donc, alors, je voudrais, pour conclure, donner une brève lecture sur le nombre de gens qui sont concernés par cette simple séquence télévisée. Donc cet événement hyper fabriqué, qui est un type d'événement qui va se multiplier sous l'effet des transformations du champ journalistique, présente une certaine objectivité parce qu'il est produit par nombre d'acteurs qui font chacun en ce qui le concerne leur travail de manière professionnelle. Alors quels sont ces acteurs? Il y a le gouvernement qui avait décidé d'une politique, une association qui l'approuvait. Les communicateurs qui étaient chargés de concevoir l'opération spectaculaire pour attirer les journalistes. Les agences de casting qui fournissent les figurants. Les journalistes qui venaient seulement faire de belles images, pour reprendre leur expression. Les présentateurs qui invitaient les responsables à venir s'exprimer, mais aussi les téléspectateurs intéressés par ce spectacle que les journaux télévisés leur proposent. Les responsables des rédactions des journaux télévisés qui consultent les courbes d'audience, les responsables des chaînes qui nomment les directeurs de l'information, etc., etc. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que cette simple séquence, quand on essaye de comprendre comment elle a été produite, le nombre d'acteurs qui ont contribué à la produire, chacun en faisant son travail professionnel, devient de plus en plus considérable. Si on regarde comment se fabriquait l'information, il y a 20 ou 30 ans, il n'y avait pas autant d'acteurs, tout simplement parce que la télévision n'était pas... Enfin, elle joue un rôle très important, la télévision, mais également les sondages, etc. Et donc, on a une illustration des effets de l'arrivée des sondages dans le jeu politique et des disciplines qui sont associées au sondage, qui travaillent par sondage en permanence, comme le marketing, notamment le marketing politique. Ou l'audimat, moi je me souviens qu'il y a 25 ans, l'audimat, quand c'est entré dans TF1, dans les années 70 plus exactement, j'ai fait un travail sur la télévision. C'était la croix et la bannière pour avoir des taux d'écoute. C'était des taux secrets. 25 ans après, c'est ce que ceux qui sont chargés de faire les programmes de télévision, ceux qui font des émissions, etc., c'est ce sur quoi ils se précipitent en premier le lendemain
quand tombent les courbes d'audience. C'est devenu, je veux dire, c'est devenu le régulateur du fonctionnement de pas mal d'institutions, dont notamment les médias. Alors, si vous voulez, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que ce que j'ai été amené à faire, d'une certaine manière, c'est proposer une lecture globale d'un certain nombre de choses que nous, par exemple, à Acrimed, on étudie de manière un peu séparée. On étudie tel sondage qui nous paraît particulièrement révélateur. On va étudier telle fabrication d'une information. On va étudier telle nomination d'un directeur de chaîne, etc. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer que tous ces événements, les sondages, la fabrication de l'information, les logiques de marketing qui rentrent dans la plupart des institutions, etc., sont en réalité liés dans un fonctionnement d'ensemble, notamment du champ politique et des instruments qui sont instruments techniques d'une part, instruments idéologiques d'autre part, qui sont mis au service du fonctionnement de ce champ politique. Voilà.